Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 7 février. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une ce matin, ce témoignage choc qui accable l'entraîneur Gilles Beyer, déjà accusé de viol par deux patineuses. Témoignage de Nadja Mahmoud, championne de France junior de patinage. Elle a 20 ans aujourd'hui. Il y a 3 ans, elle a voulu rejoindre le club des Français volants, dirigé par Gilles Beyer. Elle raconte que dès la prise de contact, sa mère a reçu des SMS obscènes entre harcèlement et chantage sexuel. Je suis tombée sur des messages assez intimes. C'est quoi la couleur de vos strings? Vous dormez avec votre fille? Ma mère, elle répond oui. Et lui dit ah, j'aimerais bien être entre vous deux, dormir entre vous deux. Il y a même des messages où ma mère, elle demandait c'est combien le club ce mois-ci? Ça va être combien la licence et de ça? Lui répond non, mais t'inquiète pas, de toute façon, on va s'arranger. Il suffit que vous couchiez avec moi ou bien votre fille. Moi, bouleversée, choquée. Du coup, moi, j'ai pris mes affaires au Français volant et je suis partie. Document RTL recueilli par Bertrand Frachon. Cette parole qui se libère fait tanguer la Fédération française des sports de glace et son indéboulonnable patron Didier Gayaguet. La ministre des Sports a réclamé sa démission. Jusqu'ici, c'était non, ferme et catégorique. Mais les soutiens se font rares. Et hier soir, sur France 5, Didier Gayaguet a semblé fléchir. Si je suis celui qui doit démissionner parce que c'est le seul moyen de débloquer. Mais bien sûr que je le ferai. Mais bien sûr. Mais par contre, je voudrais pouvoir avoir dit ce que j'ai encore à dire et qui n'est pas tout à fait terminé. Didier Gayaguet hier soir sur France 5. RTL Matin, 7h31. Aux États-Unis, Donald Trump apparaît plus puissant que jamais après son acquittement. Hein. La procédure initiée par les démocrates a fait pchit, car les sénateurs républicains lui sont restés fidèles, à l'exception notable de l'ex-candidat à la présidentielle Mitt Romney. Le président américain peut donc fanfaronner et accabler ses adversaires. Les démocrates, ils sont méchants et pervers. Ils sont mauvais comme l'enfer. Mais ils savent rester soudés comme s'ils étaient attachés avec de la colle. C'est comme ça qu'ils ont pu lancer cette procédure de destitution. Et ils essaieront encore, ou peut-être pas, vu que les sondages pour mon parti sont en hausse et que Donald Trump n'a jamais eu une cote de popularité aussi élevée. Donald Trump au micro RTL de Pauline Simonet. Autre sujet de satisfaction pour Donald Trump, la confusion dans le camp démocrate après le caucus de l'Iowa. Deux candidats, Bernie Sanders et Pete Buttigieg, revendiquent la victoire. Selon les résultats complets, ils sont de fait au coude à coude, mais un bug de l'application du parti a semé le trouble. Le trouble aussi en Chine après la mort d'un médecin qui a succombé au coronavirus. Pas n'importe quel médecin, le premier à avoir donné l'alerte. Les autorités sont soupçonnées d'avoir voulu le faire taire. Le bilan est désormais de plus de 630 morts et autour de 30 000 personnes contaminées. Par ailleurs, l'épidémie se répand à grande vitesse sur le paquebot en quarantaine au large du Japon. On est passé de 20 à 61 cas en 24 heures. Retour en France. Les opposants à la réforme des retraites n'ont pas dit leur dernier mot. Après la 9e journée de mobilisation hier, l'intersyndicale promet une nouvelle journée de grève et de manifestation le 20 février. Et avant cela, il y aura ce lundi noir annoncé par l'UNSA RATP. Le lundi 17, jour du début de l'examen du texte à l'Assemblée. Anan est conductrice à la RATP depuis 10 ans. Ah, ça sera un lundi noir, ça c'est sûr et certain. Ça sera comme on l'a vécu le 13 septembre, le réseau RATP était noir, fermé, pas de métro qui roule. Et ben, le 17 février, ça sera pareil. Anan au micro RTL d'Aurélia Valarié. Sans surprise, la patronne d'Engie, Isabelle Cochère, a été débarquée hier. Elle était la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Son successeur n'est pas encore connu. 7 grandes entreprises françaises épinglées pour discrimination à l'embauche. Le gouvernement a mené une vaste campagne de testing. Air France, Accor et Renault notamment sont montrés du doigt. Un soupçon de détournement de fonds à l'hôpital de Neuilly, près de Paris. La directrice est accusée par l'un des médecins d'avoir dépensé près de 300 000 euros pour payer son loyer et celui de son adjoint, et cela sur les deniers de l'hôpital. Qui plus est, dans un logement luxueux, Charles Consigny est l'avocat du médecin. C'est un système très simple, ne pas habiter les logements qui appartiennent à l'hôpital, qui ne coûtent pas d'argent, et de préférer louer des logements plus agréables sur les deniers de l'hôpital public. C'est ça qui a beaucoup choqué, c'est qu'on demande des restrictions budgétaires énormes, il y a eu des fermetures de lits, et pendant qu'on demande ces économies, de l'autre côté, on dépense de manière inutile les deniers de l'hôpital. C'est ça que nous soupçonnons et c'est ça qui a choqué. Mais pour la directrice Catherine Ladjé, ces accusations relèvent plutôt de la médisance.
C'est surtout une recherche de vengeance de la part d'un praticien qui a fait l'objet de signalements. Comme tous les directeurs d'hôpital en France, je suis logée dans des modalités réglementaires si les locaux ne sont pas en capacité de nous accueillir. Et c'était le cas pour ce logement qui était vétuste en 2012, pour lequel il aurait fallu plusieurs centaines de milliers d'euros pour le réhabiliter, ce qui aurait pénalisé les finances de l'hôpital cette année-là. Propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot. Ça ne vous a pas échappé, nous vivons un mois de février particulièrement doux et ça en serait presque inquiétant. Oui, et particulièrement pour les agriculteurs et les maraîchers, car bien sûr, Virginie Garin, ces températures quasi printanières ont des conséquences sur les cultures. Oui, et première conséquence déjà ressentie par les agriculteurs, quand il fait doux, il y a des légumes qui se vendent très mal. On n'a pas envie de manger des choucroutes ou des potées, donc les producteurs se retrouvent avec leurs légumes d'hiver sur les bras. Ensuite, s'il fait trop chaud et humide en hiver, des bactéries et des champignons peuvent se développer au printemps. C'est la hantise des maraîchers et des vignerons qui préfèrent le froid en hiver. La terre qui s'effrite est aussi plus facile à travailler. Enfin, à cause de la douceur, les arbres commencent à bourgeonner. Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, mais tout dépendra du gel au printemps. Alors ce qui est certain, c'est que depuis une bonne dizaine d'années, les phénomènes exceptionnels de météo sont devenus la norme. Fortes pluies, tempêtes de vent, canicules, sécheresses. C'est surtout cette accumulation qui finit par fatiguer la nature, qui n'y comprend plus rien. Virginie Garin. Une douceur qui crée aussi quelques difficultés en montagne. Les stations de ski de moyenne altitude s'inquiètent du manque de neige. Certaines ont même dû fermer. Et cela alors que les vacances d'hiver débutent ce soir pour la zone C. Mais dès qu'on grimpe, plus de problème. À l'Alpe d'Huez, Nathalie, monitrice de ski, est dans les starting blocks. Chaque année, février, c'est le rush et ça nous fait plaisir. C'est l'effervescence, un peu comme un bzzzt annuel. Ah ouais, on aime bien, ouais, la ruche s'active là. On peut avoir plein de clients, donc on a des cours à droite, à gauche, en haut, en bas, et c'est ça qui est drôle en fait. Non, c'est génial, le février, c'est une petite vitamine le matin et hop, c'est parti. Nathalie Cuche, monitrice de ski à l'Alpe d'Huez, elle répondait pour RTL à Serge Puyot. La ruche s'active, c'était le journal et le tout info d'Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la revue de presse. Et oui, dans la revue de presse, vous saurez comment devenir un pic-assiette professionnel. Vous allez voir, c'est presque un boulot d'agent secret. À tout à l'heure, Isabelle.